Salut Jamy. Salut Fred. Qu'est-ce que t'as encore déniché? Regarde comme ça brille. C'est qui lui? Lui, c'est Louis, Louis XIV. Ah bah c'est normal que ça brille, le roi soleil, Versailles, le luxe. Oui, c'est ce qu'on dit, mais enfin, j'ai aussi lu que ça sentait pas très bon. Oh, tu crois? Hé, j'irais bien faire un tour à l'époque, je me zappe. L'aventure nous emmène aujourd'hui à la cour du roi qui fit édifier le plus grand château de tous les temps, Versailles. Ses travaux commencèrent vers 1661 et le roi Soleil ne cessa de l'agrandir tout au long de son règne afin d'y loger les grands du royaume. 3000 courtisans, ministres et serviteurs. Bienvenue chez Louis XIV. Monsieur! Monsieur! Partez pas! Je sens mauvais ou quoi? Oh! Vous avez oublié votre lièvre! Oh, oh, oh. Attendez-moi! Un braconnier sur les terres du roi. Ah non, non, vous faites erreur, messieurs. Je ne suis pas du tout braconnier. Et qu'est-ce donc que ceci? Ça? Bah ça se voit, c'est un lièvre. Et que comptiez-vous en faire? Ah bah moi, rien. Mais maintenant qu'il est mort, on peut peut-être se faire un petit sauté de lièvre. Je sais pas, moi, sur son lit de perles vertes. Messieurs, le roi. Qui ose troubler ma chasse? J'attends. Je crains que ce ne soit moi, monsieur Messire. Et qui êtes-vous? Fred, de quelle aventure, monsieur Louis? Figurez-vous que ce garçon se proposait de cuisiner cette pauvre bête dans le... Où donc, déjà? Sur son lit de perles vertes, monsieur. Oui. Et qu'est-ce donc? Tout simplement, un lièvre aux petits pois. Les petits pois, c'est mon légume préféré. Préparez-moi donc ce lièvre aux perles vertes pour le grand couvert de ce soir. Très bien, messire. Allons, messieurs, continuons. Ah ben, on peut dire que tu t'en sors bien, hein? Nya, nya, nya. Ils sont passés où? Ils auraient pu m'attendre. Hé, c'est par où la cour? Bah, si tu vas à droite, tu vas à Versailles. Et par là? Au château de Saint-Germain-en-Laye. N'oublie pas qu'à l'époque, la cour est encore itinérante. Eh ben, c'est drôlement compliqué. Et en ce moment, ils sont où? À Versailles. Donc par là? Oui, c'est ça. C'est toujours la même histoire. Dès qu'on parle de Louis XIV, on s'imagine qu'il a passé sa vie à Versailles. Alors qu'en fait, il n'y a vécu que durant la dernière partie de son règne. Allez, un peu d'histoire qu'on s'y retrouve. Louis XIV est né en 1638 et il est mort en 1715. 77 ans. Pas mal pour l'époque. Cela dit, il ne commence à gouverner personnellement qu'à partir de 1661. Il a alors 23 ans et c'est en gros à cette époque qu'il décide de faire construire le château de Versailles. Pour deux raisons. D'abord parce que Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, vient d'emménager dans sa nouvelle demeure, le château de Vaux-le-Vicomte. Très réussi. La pendaison de crémaillère a, paraît-il, été grandiose. Tous les invités ont été scotchés. Un peu trop, justement. Surtout le jeune roi Soleil, qui a déjà horreur qu'on lui fasse de l'ombre. Et puis, Louis XIV aimerait bien avoir sa noblesse autour de lui. Il a à peine confiance en elle. Voilà pourquoi il a besoin d'un grand château pour accueillir tout ce beau. Ce château n'existant pas, eh bien, il décide de le faire construire à l'emplacement d'un ancien pavillon de chasse que fréquentait son père. En attendant la fin des travaux, pour s'y installer définitivement en 1682, eh bien, le roi et sa cour font ce qu'ils ont toujours fait. Ils naviguent d'un château à l'autre. Le Louvre à Paris, mais également Saint-Germain-en-Laye et le château de Fontainebleau. Voilà où nous en sommes en 1673, à l'époque où Fred vient de débarquer. Ben Fred, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Je m'isole. Ça sent pas très bon ici. J'arrive même pas à retrouver l'odeur de mon lièvre.
Messieurs, dépêchons. En place pour le grand couvert du roi. Alors, ce lièvre au perle verte, il est prêt? Eh, bientôt prêt, grand maître. Mais je voulais vous poser une question. On est combien à table ce soir? Vous plaisantez? C'est le repas de sa majesté. Vous voulez dire que le roi va manger mon lièvre à lui tout seul? Quel appétit! Si vous saviez, hier soir, au grand couvert, il a dévoré 4 assiettes de soupe, un faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade, une fricassée de mouton à l'ail, une pleine assiette de pâtisserie, de confiture, de fruits. Non, c'est pas possible. Si, c'est un ogre. Un ogre. Et encore, je ne vous parle que de du soir. Une pastille à la cannelle, c'est bon pour la laine. Là, ça commence à sentir le roussi. Mais revenons au roi. Tout à fait entre nous, mieux vaut l'avoir en peinture qu'en pension. C'est que ça mange un roi. Tout commence aux alentours de 9h. En douceur, le roi consomme d'abord un bouillon qui lui permet d'attendre 13h, l'heure du dîner. Ben oui, au XVIIe siècle, on dîne à la mi-journée et on soupe en soirée. À 13h donc, le roi passe à table. Et là, accrochez-vous. 3 services composés au moins de 3 plats chacun, sans oublier les desserts et les gâteaux qu'il se glisse dans la poche. On ne sait jamais, des fois qu'il aurait un petit creux avant le souper, qui lui a lieu à 22h. Et là, ça recommence. Les bisques, les potages, les tourtes, les entrées, les poulardes, les rôtis, les desserts. Voilà pour l'ordinaire, car les jours de fête, quand le roi va au spectacle par exemple, eh bien il faut prévoir une petite collation aux alentours de minuit. Oh, pas grand chose, simplement de la viande et des fruits. Et puis, j'allais oublier, le roi ne s'endort jamais sans avoir posé à la tête de son lit une assiette de viande. Ben voyons, ce serait quand même dommage d'être réveillé par la faim. Et dire qu'on a appelé ça l'Ancien Régime. Et quelle mise en scène! Tous les repas du roi sont publics, et c'est un grand privilège que d'y assister. Le matin et le midi, Louis XIV se fait servir dans sa chambre, il mange seul sous le regard d'une centaine de courtisans, des hommes uniquement. Le soir, le grand couvert se tient dans l'antichambre. Le roi invite à sa table les plus proches membres de sa famille. Le spectacle se déroule devant une assemblée de nobles, triés sur le volet, où quelques femmes sont admises. Quant aux courtisans, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les plus privilégiés ont bouché la cour, leur charge leur permet d'être nourris et logés au château, mais beaucoup d'autres doivent s'héberger en ville et prendre leur repas dans l'une des nombreuses auberges de Versailles. Comment ça, mon goûteur est malade? Réveille-toi! Dis-moi, tu te sens bien parmi nous? Eh bien, je te confie une charge. Je te nomme goûteur de sa majesté. L'autre, il est devenu quoi? Il est pas mort au moins? Mais non, une simple indigestion. Enfin, il est malade. En fait, il est pas dans son assiette, voilà. Il est pas en train de me cacher quelque chose? Allez, en tenue! Le grand couvert du roi n'attend pas! Hé! Pourquoi ça fait tatatatin? Ça a fait tatatatin parce qu'il te cache quelque chose, Fred. L'affaire des poisons. Ce scandale éclate avec la mort brutale et suspecte d'Henriette d'Angleterre, qui n'est autre que la femme du frère cadet du roi. Louis XIV, qui a du mal à le digérer, demande alors à son fidèle lieutenant de police, l'araignée, de mener une enquête discrète. Celle-ci va révéler l'existence d'un véritable réseau criminel mettant en cause de grands personnages du royaume. Des femmes de la noblesse surtout, qui empoisonnent leurs proches pour accélérer les héritages. L'arme du crime est l'arsenic, que l'on appellera à juste titre la poudre de succession. L'enquête révèle aussi que le poison est préparé et fourni par une femme qui pratique la sorcellerie, une certaine Catherine Monvoisin, surnommée La Voisin. Principale accusée de ce scandale, elle est brûlée en place de grève. Vous comprenez donc pourquoi tous les plats du roi sont goûtés avant d'être servis. Apportez les plats au goûteur. Filet de cerf au perdreau truffé. Soupe de chou-fleur au haricot. Gigot de mouton à la royale.
lièvre aux perles vertes, gigue de biche à la chicorée. Allez, 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 on se dépêche. Potage de santé au chapon de vielle, perdrix au chou. Envoyez les pâtisseries. Wow. Ça va pas, Fred? T'avais pourtant l'air de te régaler. M'en parle pas. Jusqu'au rognon de veau, rôti, à la betterave, j'en ai encore. Mais les œufs pochés à la Lully par-dessus, là, je te raconte pas. Fred, réveille-toi! Il va t'arriver des misères. Quoi? Vous, le chasseur? Oui. Mais je suis aussi le chirurgien du roi. Et je vais vous faire une saignée. Nya, nya, nya. Non mais ça va pas, vous êtes malade. Quelques flacons de sang en moins permettront d'extraire toutes ces mauvaises humeurs qui se sont glissées dans votre corps. Mais je me sens juste un peu ballonné, ça doit être une indigestion. Une indigestion? Voyons, voyons. Voilà. Quelques sangsues et un bon lavement suffiront. Retournez-vous. N'ayez pas peur. J'ai préparé une décoction de fleurs laxatives avec un peu du miel et du sucre. Ça passe très bien. Vous m'en donnerez des nouvelles. Non, 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 non. Je vais aller prendre l'air. Ça va aller beaucoup mieux. Et dites-moi, vous faites des opérations aussi? Mais oui, mais oui. J'espère que vous les endormez avant, hein. Étonnamment, j'ai beaucoup moins de mal à les endormir qu'à les réveiller. Non, c'est ennuyeux. Bon, écoutez, moi, je vais prendre l'air. Méfiez-vous de l'air. Il transporte des miasmes et fait pénétrer plus avant dans les corps les qualités malignes et venimeuses. Je m'en souviendrai. Encore une fois, il s'en sort plutôt bien. En effet, à l'époque, même si la médecine progresse, on sait en gros où se trouvent les organes, comment fonctionne le cœur, et bien malgré ces progrès, une bonne prière est encore plus salutaire qu'un bon médecin. Ben oui, il faut dire que les connaissances sur les maladies manquent cruellement. Tenez, les médecins pensent par exemple qu'en pénétrant dans l'organisme, la maladie contamine d'abord l'esprit, qui refile ensuite le bébé aux humeurs, un joli mot pour parler du sang et des urines, qui ensuite vont déposer la maladie ici ou là, suivant les malades. Bref, pour guérir, il n'y a pas 36 solutions, faire le ménage. Et pour cela, les médecins ont trois remèdes, la purge, le lavement ou la saignée. Et dans la mesure où certains médecins pensent qu'il y a 12 litres de sang dans le corps, alors qu'il n'y en a que 5, eh bien fatalement, les échecs sont fréquents. Et il faut être riche pour s'offrir les soins d'un médecin. Ils ne sont que 200 pour tout le royaume. Pour passer ses douleurs, le petit peuple doit se contenter des services du barbier ou du rebouteux, souvent sans grand succès. Ensuite, on va mourir à l'hôpital. À l'époque, l'espérance de vie ne dépasse pas 35 ans. Et c'est déjà une chance d'atteindre cet âge, car la mortalité infantile est énorme. Un enfant sur quatre meurt avant l'âge d'un an, souvent victime de la rougeole, de la varicelle ou de la rubéole. Des familles entières sont décimées par les épidémies de variole, de paludisme et par la peste qui frappe encore la France. À cela s'ajoute en 1709 un hiver rigoureux qui provoque une grande famine et tue des dizaines de milliers de Français. Cruelle époque pour le petit peuple. Alors Fred, on prend l'air? Eh ben on peut dire que tu m'en as sorti d'une belle, hein. Je te remercie. Moi je t'en prie, je commence à avoir l'habitude. C'est pas mal ici. Ah, c'est vrai que Louis XIV n'a pas lésiné non plus sur les jardins. Pour le plus grand plaisir des courtisans d'ailleurs. Dessinés par le nôtre, les jardins ont été aménagés sur des marécages infestés de moustiques, faisant de nombreuses victimes du paludisme chez les ouvriers. Oh, insolent, il faut que je t'assomme. Viens, Qu'est-ce que je t'apprenne à bagarre. Parler. Chienne, pandarde, carogne. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, je m'appelle Fred. Jean-Baptiste Poquelin, enfin Molière si vous préférez, dramaturge du roi. Si j'avais imaginé le rencontrer un jour. Et dites donc, vous n'avez pas très bonne mine, hein? Bah, c'est vrai que je suis un peu barbouillé en ce moment. Mais parfait! C'est d'un malade dont j'ai besoin, enfin, un personnage qui le serait. Ah oui, parce que je viens de terminer une nouvelle pièce que j'aimerais présenter à la cour.
C'est une comédie mettant en scène un malade imaginaire. Oh ben je vois. Pensez me voir demain matin au Palais Royal. Très bien. Bombarde. Je viens de décrocher un casting avec Molière. Chienne. À moi la Comédie Française. Le roi aime les arts, tous les arts, à tel point qu'il finance même certains artistes. En haut de l'affiche, il y a bien sûr Molière, c'est le maître incontesté de la comédie. Le roi l'apprécie beaucoup, Molière l'amuse. En effet, il se moque de la noblesse et de la société de l'époque où n'importe qui ferait n'importe quoi pour obtenir une faveur du roi. D'accord, il dit tout haut ce que le roi pense tout bas. Exactement, et ça agace. Car en écoutant Molière, le roi montre à la noblesse qu'il a parfaitement compris son petit jeu. Toujours dans le genre comique, Jean de La Fontaine. Lui, il utilise les animaux pour se moquer du comportement de ses contemporains. Cela dit, il a moins de succès auprès du roi. En effet, Louis XIV lui reproche d'avoir soutenu autrefois Fouquet, le surintendant des finances, qui, vous le savez, avait eu l'outrecuidance de faire de l'ombre au roi. Moins drôle maintenant, Jean Racine. Lui, son truc, c'est la tragédie. Il en a écrit 11. Phèdre, Britannicus, Andromaque. Il est beaucoup plus sage que les autres. Voilà pourquoi le roi lui a confié la tâche d'historiographe. En clair, il est chargé d'écrire une belle histoire de Louis XIV. Côté musique maintenant. Eh bien, à l'époque, c'est Jean-Baptiste Lully qui fait un tabac. On le passe partout. Enfin, on l'écoute partout. À la cour, dans les soirées, même pendant les repas du roi. Cela dit, tous ses honneurs ne lui porteront pas chance. Il va mourir de la gangrène. Oh ! Une histoire sordide. On raconte qu'il s'est écrasé le pied en battant la mesure avec sa canne. La blessure a ensuite dégénéré. C'est bête, hein. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même une belle brochette d'artiste. Je vous remercie de m'avoir pris en stop, docteur. J'ai rendez-vous à Paris, je suis complètement à la bourre. J'ai même pas eu le temps de me laver ce matin. C'est une très bonne chose, vous savez. Une bonne couche de crasse, ça protège. En attendant, sans vous, je me demande comment j'aurais fait. Remarquez, vous auriez pu emprunter des transports en commun. Ah bon, ça existe? Mais bien sûr. Tous les jours, il y a une messagerie entre Paris et Versailles. C'est 40 sous, rendez-vous compte. Le prix de 2 journées de travail d'un ouvrier. Et quand le roi est au château, les prix grimpent. Il faut bien choisir sa période. Et à part ça, quoi de neuf, docteur? Ah, je me rends à l'Académium des Scientiums des Sciences, que vient de créer notre bon roi. Et vous-même? Figurez-vous que je vais à un casting. Pardon? Enfin, je veux dire une audition, avec Monsieur Molière, au Palais Royal. Vous avez des drôles de fréquentation. Il n'a de cesse de nous tourner en ridicule, cet homme. Cocher, c'est encore loin! Encore une lieue! Je ne reconnais pas la banlieue. Pardon? On devrait arriver par le tunnel de Saint-Cloud. Pardon? Tunnel, Casbing, je ne comprends pas ce que vous dites. Le tunnel de Saint-Cloud. Et pourquoi pas le périphérique pendant qu'on y est? Mais ça n'existait pas à l'époque. Paris était beaucoup moins étendu qu'aujourd'hui. Montmartre, Grenelle, le Trocadéro, juste en face de la Tour Eiffel. Tous ces quartiers n'étaient que de petits villages ou des lieux dits en pleine campagne. Cela dit, Paris comptait quand même 500 000 habitants. C'était la capitale la plus peuplée d'Europe. La France était aussi le pays le plus peuplé. 20 millions d'habitants. 3 fois moins qu'aujourd'hui. Une France qui, durant tout le règne de Louis XIV, n'a cessé de repousser ses frontières, gagnant au fil des guerres et des traités une partie des Flandres, le Hainaut, une partie de la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, ainsi que le Roussillon. Allez, au suivant! Allez, dépêchez-vous, il s'impatiente. Pour tout vous dire, j'ai un peu le trac, hein. Mais je maîtrise le texte. Bonne chance! Ah, insolente! Il faut que je t'assomme! Viens, viens! Que je t'apprenne à parler! Chienne! Pandarde! Carogne! Oi, 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 oi. Écoutez, Fred, je vais être franc avec vous. Dans art dramatique, vous ne maîtrisez que le côté dramatique. Allez, allez, au suivant, au suivant. Ah, finalement, je crois que je vais le jouer moi-même, ce rôle. Ouais, bah dans l'état où il est, à mon avis, il va pas aller loin. Et si ma mémoire est bonne, c'est en jouant le malade imaginaire qu'il est mort sur scène. Oui, c'est ce qu'on dit. Tu te rends compte quel destin pour un comédien? Mourir sur scène.
C'est ce qu'on dit, mais en réalité, Molière n'est pas mort sur scène. En revanche, c'est bien sur scène qu'il a été pris d'une violente quinte de toux durant le troisième acte du Malade imaginaire. Molière était tuberculeux, une maladie pulmonaire incurable à l'époque. Bref, durant le troisième acte, il se met à tousser. Il tousse, il tousse, mais il va jouer jusqu'au bout. Il rentre chez lui en crachant le sang. Et malgré tous les soins qui lui seront prodigués, eh bien, il meurt le 17 février 1673. Alors, comment ça s'est passé? J'ai tout donné, pandarde, carogne. Mais à mon avis, il veut garder le rôle pour lui. Tentez votre chance auprès de Monsieur Corneille ou de Monsieur Racine. Oh non, 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 non. Je suis goûteur, je reste goûteur. Goûteur à la cour, dans cette tenue? Bougez pas, je vais m'occuper de vous. Elle a raison, Fred. Faut t'habiller. Tu vas voir, on va s'occuper de toi. Tu vas être magnifique. Et d'abord, il faut mettre des bas de soie, un caleçon de taffetas et une chemise en ratine. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Maintenant, il faut mettre la culotte, puis la ringrave, la veste légère avec les galantes, le jabot et les canons, les chaussures à talons et ailes de moulin, le baudrier et l'épée, et enfin, la perruque. Tourne-toi un peu pour voir. Alors là, Fred, vraiment, t'es branché pour l'époque, hein. Tu sais que c'est Louis XIV qui a créé cette mode, et pour être bien vu à la cour, il est conseillé de la suivre. Même si c'est vrai, cela peut coûter très cher. Les femmes de la noblesse dépensent aussi beaucoup d'argent pour se vêtir. Une robe parée de perles précieuses coûte plus de 300 livres. Autrement dit, le salaire annuel d'un gouverneur. Bref, à ce petit jeu, nombreux sont ceux qui se ruinent, mais qu'importe. L'essentiel, c'est de se faire remarquer par le roi. Oh là là, joli monde à la cour. Dame. Oui, pour l'habit, ça va. Mais pour la révérence, va falloir prendre des cours. Monsieur, vous avez l'air soucieux. Je peux vous aider, peut-être? Je pense à une fable et j'ai beaucoup de mal à trouver la morale. Vous êtes poète? Jean de La Fontaine, pour vous servir. Ravi de vous rencontrer, qui ne connaît pas une fable de La Fontaine. Et puis moi, j'aime bien ce que vous faites, parce qu'au moins, vous n'avez pas votre plume dans votre poche. Vous savez, un écrivain qui compte sur ses doigts pour savoir s'il a son nombre de pieds, ce n'est plus un poète, c'est un... C'est un dactylographe. C'est pas de lui, ça. C'est de Léo Ferré. C'est joli, dactylographe. N'est-ce pas? C'est beau, c'est très beau. Alors attendez, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez écrit récemment? Ah, il y a une fable dont je suis très content, c'est l'histoire d'un lièvre qui provoque une tortue à la course. Et figurez-vous, c'est la tortue qui gagne. Ah mais ça je connais, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oh ben c'est fantastique, vous m'avez lu. C'est un amateur, c'est très bien. Ah, mieux encore, je suis un véritable fan. À fond. Oh, ça me donne une idée, ça. Vous savez, ce soir, nous allons nous livrer à une partie de billard. Ça me ferait très plaisir que vous soyez des nôtres. C'est un honneur. Vous m'avez lu, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Elle est pas belle, la vie. Je me fais habiller par Molière et invité au billard par La Fontaine. Ça y est, il prend la grosse tête. Ça, j'en viens pas. C'est un véritable tripot, Versailles. Je me demande bien comment ils sont arrivés ici, tous ces courtisans. Eh bien, le but du jeu pour un courtisan, c'est de se montrer, de se trouver sur le passage du roi pour décrocher un regard, un signe de la tête, une audience, et les plus assidus seront récompensés. Une charge, un titre, voire une pension. C'est le roi lui-même qui a fixé les règles de ce jeu. En effet, en distribuant les bons et les mauvais points, il contrôle une noblesse en qui il n'a absolument aucune confiance. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Louis XIV garde un très mauvais souvenir de la Fronde, une révolte fomentée par les grands du royaume à la mort de son père et relayée ensuite par le peuple de Paris. Louis XIV avait alors 5 ans et il avait bien failli ne pas en réchapper. Il n'a donc aucune confiance en cette noblesse. Voilà pourquoi il fait construire Versailles pour s'éloigner de Paris et des soubresauts de son peuple et pour réunir autour de lui sa cour et garder en permanence un œil sur elle.
malin. C'est drôle, j'avais oublié. J'ai pas joué à ça depuis que j'étais à l'école, moi. Là, j'ai deviné. Voici courtisan à présent. Vous cultivez l'art de paraître. Absolument, grand maître. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, je suis sous l'aile de Molière et de La Fontaine. Et sous l'aile de Corneille ? Ah, pas encore. À moins que je ne prenne racine au château. C'est ça. Faites de l'esprit. En attendant, prenez une pastille d'anis. Vous avez une haleine de bête. Alors ça, c'est la meilleure. Au fait, je voulais vous avertir que l'ancien goûteur reprend du service. Vous voulez dire que je suis au chômage ? Non pas, une autre charge vous attend. Ces dames demandent qu'on leur apporte quelques corsets, bas et autres mouches. Des mouches ? Prenez soin d'aller chercher la liste chez la dame d'honneur de Madame de Montespan. Qui est Madame de Montespan ? On va dire ici, la favorite du roi. Et faites-vous conduire chez les marchands. Bien, grand maître. Très bien, grand maître. Dis donc, Fred, tu crois pas que t'en fais un peu trop, là ? Mais attends, il est important, ce gars-là. J'ai l'impression qu'il a tout pouvoir à Versailles. C'est vrai. Le grand maître est un personnage influent. En effet, à la cour, tous les courtisans ne sont pas logés à la même enseigne. Les mieux lotis sont les titulaires de charge. Et à ce titre, le grand maître a la confiance du roi pour en distribuer certaines. Alors ces charges sont multiples et variées. Il y a toujours un capitaine des gardes, un grand écuyer. Seulement, on trouve aussi des marquis garde-robe ou maîtres d'hôtel. Tenez, il y a même un porte-coton. Un porte-coton ? Comment vous expliquer ? Vous savez, quand le roi allait au petit coin, eh bien après, il y en avait toujours un qui nettoyait avec un coton. Eh bien, c'était un noble, le porte-coton. Quoi qu'il en soit, tous ces courtisans côtoient le roi. Une place extrêmement convoitée, tellement que certains sont prêts à débourser des fortunes pour acquérir une charge. Heureusement, en échange de leurs services, ils obtenaient des avantages. Un mariage avec une dot intéressante, un domaine, une place pour un membre de la famille, autant de faveurs qui, à la longue, pouvaient rapporter gros. Et puis, à ce tarif, ils étaient également logés sur place et en pension complète, s'il vous plaît. Oh là là, c'est plein de commandes à Versailles. On ne sait pas où, par là. Non, c'est pas ici. Vous m'avez fait demander, madame. Oh, ça ! Quel cachotier de grand maître ! Un si joli courtisan ! Nous cachez ça à nous ! Vous allez me faire rougir, madame. En fait, je suis venu chercher votre liste de courses. Venez la chercher vous-même. Ah ben, te v'là bien. Oh, qu'il est mignon. Et tout timide. Comment pourrais-je dire ? Puis-je m'en retirer, madame ? Fête ? Merci. Mais nous nous verrons à la fête ce soir. Eh bien, elle a pas froid aux yeux, la dame d'honneur. Hein. Alors voyons un peu cette liste. Des bas couleurs veuve réjouie. Deux coquettes, une effrontée, trois baiseuses. Non mais c'est quoi ce chantier ? Doucement, Fred, pas de confusion. En fait, ces termes désignent des mouches, autrement dit, des grains de beauté artificiels. Les femmes de la cour les collent sur leur visage à des endroits différents en fonction de leur humeur. Et il y a un jeu de codes très subtil. Sur la joue, par exemple, c'est la galante. Ici, la passionnée. Là, la baiseuse. La majestueuse. La discrète. L'enjouée. Et enfin, sur le bout du nez, l'effrontée. Ces mouches de beauté avaient aussi un autre avantage. Elles faisaient ressortir la pâleur du visage. Car à l'époque, les femmes de la noblesse devaient avoir le visage clair comme de la porcelaine. Pas question d'avoir le teint hâlé et encore moins bronzé, car c'était celui des travailleurs des champs. Dans la première partie du règne de Louis XIV, l'ambiance à la cour est frivole, pour ne pas dire libertine. Les femmes de la noblesse disposent, disons, d'une certaine liberté. Elles sont admises dans les réunions et les salons réservés aux hommes, ce qui est loin d'être le cas dans les autres cours d'Europe. Certaines exercent même une réelle influence d'opinion sur les hommes de pouvoir.
Ah, vous êtes là. Vous avez vu ces drôlement chauds à Versailles. Quand je pense que même la maîtresse du roi, Madame de Montespan, habite ici, aux frais de la princesse et au vu et au su de tout le monde. Enfin, Fred, tu sais très bien que c'est pas la première. Quoi ? Et que c'est pas la dernière non plus. Quoi ? De toute façon, moi, vos histoires de bip, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est trouver de l'eau et du savon. En effet, Louis XIV a toujours eu du succès avec les femmes. Et vu ses états de service, on peut dire qu'il était d'un tempérament plutôt entreprenant. Côté officiel d'abord. Louis XIV s'est marié à l'âge de 22 ans. Il épouse Marie-Thérèse d'Espagne. Un mariage de raison, enfin, raison d'état. Autant dire qu'il n'a jamais éprouvé aucun sentiment pour elle. À sa mort, il aurait même déclaré « c'est la première émotion qu'elle m'ait donnée ». Vous imaginez l'ambiance à la maison ? Ensemble, ils auront tout de même 6 enfants. Malheureusement, un seul survivra. Côté maîtresse maintenant, on a beaucoup parlé de Mademoiselle de Lavallière. Les premières fêtes de Versailles auraient d'ailleurs été organisées en son honneur. Cette idylle, cependant, fait pâle figure à côté de la liaison que le roi entretiendra avec Madame de Montespan. Celle-ci deviendra la favorite officielle du roi. Ensemble, ils auront 8 enfants. 6 survivront et tous seront légitimés et logeront à la cour. Madame de Montespan confiera leur éducation à une certaine Madame de Maintenon. Grossière erreur, en effet, la belle préceptrice finira par lui piquer son amant. Et celle-ci marquera même un point supplémentaire en devenant l'épouse du roi avec lequel elle se mariera en secret en 1684, juste après la mort de la reine. Vous voulez bien m'attendre un instant ? Je vais faire quelques courses. Bien sûr, monseigneur. Eh ben, c'est pas très propre Paris, hein. Wow ! On va se garer plus loin parce qu'on va bien finir par prendre une prune, hein. Eh oui, à l'époque, on jette encore les détritus et les excréments par les fenêtres, car les maisons n'ont ni latrine ni fosse. Louis XIV instaure un service de nettoyage, mais les tombereaux d'immondices sont directement déversés dans la Seine. Le roi lance aussi un plan d'urbanisme pour éclairer et paver les rues principales. Mais fais quand même attention où tu mets les pieds, Fred. Monseigneur, petit au monde, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On importune pas les gentilshommes. Allez, suis-nous ! Non, mais laissez-le tranquille avec moi. Ah, excusez-nous, monseigneur, on peut pas savoir. Merci, monseigneur, vous m'avez sauvé des chasse-coquins. Mais c'est qui ces gars-là, les chasse-coquins ? Mais c'est une brigade que le roi a formée pour nous chasser, nous, les pauvres gens, les mendiants. Où est-ce qu'il voulait vous emmener ? Mais là, monseigneur, c'était direct l'hôpital général. Pourquoi ? Pour vous soigner ? Mais vous y pensez pas, monseigneur, l'hôpital général, c'est une vraie prison. C'est là où on est stockés, nous, les mendiants, les malheureux, les pauvres gens. Et même les femmes et les enfants. Ils nous tuent au travail, ils nous maltraitent. Et ils sont sans pitié, sans pitié. Merci, monseigneur, merci beaucoup. Eh oui, c'est que sorti de Versailles, ça ne badine pas. Tenez. Un édit royal daté de 1657 interdit la mendicité et ordonne l'enfermement de tous les misérables. En conséquence, le lieutenant général de la police, Larrény, organise des rafles dans tout Paris. Les indigents sont enfermés dans des institutions et condamnés à travailler pour une bouchée de pain et un peu d'eau. C'est tellement dur que certaines jeunes femmes détenues n'hésitent pas une seconde quand on leur propose de traverser l'Atlantique pour aller se marier aux Antilles ou au Québec et peupler ainsi les colonies. C'est pas une vie. Ah, ça, tu l'as dit. Et quand on est pauvre, non seulement on est pauvre, mais on est aussi écrasé par tous ces impôts qu'il faut payer au roi, au seigneur et à l'église. Ce sont les guerres qui coûtent le plus cher au royaume. 30 années de guerre pour 56 années de règne. Pour financer le déficit, Louis XIV emprunte aux bourgeois, les nouveaux riches de l'époque, qui s'enrichissent dans l'industrie naissante et dans le commerce des esclaves, source de très gros profits. L'État vit donc à crédit, alors que la noblesse et le clergé restent exonérés d'impôts. À chacun son rôle. Les nobles sont censés défendre le royaume, et les curés prient pendant que la grande majorité des Français, le tiers-État, comme on l'appelle, travaille. Malgré ces injustices, les petites gens supportent leur sort en silence, résignés au respect du Seigneur, de l'Église et du roi. Oh, dites donc, ça a changé. Je ne reconnais absolument pas ce quartier de Paris. Et c'est ici la perle des mouches, monseigneur. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Très bien, je vous remercie. Monseigneur, monseigneur. Tenez, mon ami. Merci, monseigneur. Bonjour, mesdames.
Il me faudrait deux coquettes, une effrontée et trois baiseuses. Tenez-vous. À mon avis, Fred, tu vas pas t'en séparer comme ça. C'est parfait. Merci beaucoup, mesdames. À bientôt. Monseigneur, monseigneur, je peux porter votre paquet ? Non, j'insiste. Si je peux me permettre, monseigneur, vous devriez envisager de prendre au moins un bain. Non, mais je rêve ou quoi ? Je pue ? Je confirme, il pue. Non, non, ne bougez pas. Je ne fais que rapporter les courses et je reviens. Tenez. Dites-moi, monseigneur, ôtez-moi nos doutes, c'est vous ou c'est lui qui renarde comme ça? Non, mais je vous en prie. D'ailleurs, je vais chez le barbier. Moi, ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé, ça. Eh ben, venez avec moi, et je vous offre une petite mousse. Rasez, bien sûr. Vous êtes trop brave, monseigneur. Docteur Homme, vous y sommes. Pardon, vous ici. Ne vous retournez pas tout de suite, il y a un individu étrange derrière vous. Ah non, il est avec moi. J'offre le rasage à cet homme. Vous tombez à pic de quelle aventure? J'ai besoin de votre avis. Préférez-vous celle-ci? Ou celle-là? Pour être tout à fait franc, j'ai une petite préférence pour celle-ci. Moi, je préférais l'autre. Je vois que monsieur a du goût. Elle est faite en cheveux blancs et naturels de Hollande. C'est très rare. Ah bon? Les autres sont en quoi? La vôtre, par exemple, elle est en crin de cheval, peut-être en poil de biquette. Mais dites-moi, ces perruques, ça ne finit pas par vous gratter, vous? Parce que moi... Mais il faut vous raser la tête, mon ami. Avec un crâne chauve et une perruque, on se débarrasse des teignes, des poux. Ah, je comprends mieux. La perruque, c'est pour l'hygiène. Voilà. Et aussi, c'est la mode à la cour. Le roi, lui, qui est pourtant doté d'une chevelure abondante, vient de se plier à cette coquetterie. Bon, c'est entendu. Je prends la blanche. Vous mettrez aussi un peu de saindoux et de la poudre de riz. Mais ça sert à quoi? Le saindoux, on se le beurre sur la tête pour éviter les irritations. Et la poudre de riz? C'est pour la blanchir. Un peu de coquetterie, que diable! Je comprends. Merci beaucoup. Dites-moi, je retourne à la cour. Puis-je vous raccompagner cette fois? Ah, mais très volontiers. Vous me préparez un colis, mes gens passeront la prendre. Merci beaucoup. Bonne chance, mon ami. Merci, monseigneur. Au revoir. Bonne chance, son ami. Pardon. Au revoir, monseigneur médecin. Un peu de coquetterie. Gna. Allez, viens là. Eh bien, dites-moi, de quelle aventure? La vie est belle? Ça va pas mal en ce moment. Et vous-même? Pas trop de boulot? Ne m'en parlez pas. L'état de santé de Sa Majesté est désastreux. Vous voulez dire qu'il est malade? Je ne sais plus comment faire. Entre ses constipations, ses indigestions, ses diarrhées, il est condamné à rester sur sa chaise percée pendant des heures. Sur le trône? Mais vous ne faites rien. Les lavements que je lui administre n'ont plus d'effet. Ah non, toutes ces indispositions du roi perturbent la vie de la cour. Mais ces indispositions, elles sont dues à quoi? Il mange trop, enfin, il mange. À voir l'état de ses dents, on se demande comment il fait. Il avale plus qu'il ne mâche. Là-haut, ce ne sont que chicots et abcès. Vous ne devriez pas parler trop fort. On pourrait vous entendre. Vous croyez? Et il n'est pas au bout de ses peines, car à ce stade, il n'a que 35 ans et je vous rappelle qu'il va vivre jusqu'à 77 ans. On se demande bien comment il a fait. De fait, depuis qu'il est adolescent, il souffre de maux de ventre. Il a des problèmes pour digérer. Remarquez, vu ce qu'il ingurgite, c'est bien normal. Ce n'est pas tout. Le roi est également sujet, si je puis dire, à de fortes fièvres à cause du paludisme. Il ne l'a pas contracté sous les tropiques, mais à Versailles, car je vous rappelle que le château est construit sur une zone marécageuse. À 45 ans, il fait également des crises de gouttes, des inflammations au niveau des articulations. Ces crises le feront terriblement souffrir, au point qu'on le verra se promener dans une chaise roulante. Et je ne vous parle pas de son palais. Il est dans un état... Pas le palais de Versailles. Sa bouche, là aussi, c'est plein de courants d'air. Il n'a plus une seule dent sur la mâchoire supérieure. Elles sont toutes tombées. Ou pire, on les lui a arrachées. L'ennui, c'est qu'une partie de la mâchoire a suivi. Alors évidemment, ça ternit un petit peu l'image du personnage. Cela dit, il a quand même dû en baver. Mais jamais il ne s'est plaint jusqu'à sa mort, survenue le 1er septembre 1715, après 20 jours de souffrance, le corps à moitié rongé par la gangrène. Mais bon, nous n'en sommes pas là. Ah,
monsieur de quelle aventure. Quel plaisir de vous voir. Voilà, je vous présente à mes amis. Voici donc, messieurs, mon fan. Et qui ne va pas tarder à monter un club de fan quand il sera le président. Mais nous nous connaissons. Oh, j'ai eu moins de chance que vous, La Fontaine. Mais faute d'être comédien, notre ami a peut-être quelques talents au billard. Ah bah, il est venu pour ça. Vous allez jouer avec moi. Nous intéressons la partie. 500 livres, ça vous va? Ah, je crains de ne pouvoir vous suivre. D'ailleurs, je ne joue jamais d'argent. Ne dites jamais Fontaine à monsieur de La Fontaine, je vous en prie. Vous êtes mon invité. Voici votre canne. Allons-y, messieurs. Qu'est-ce que c'est que cet ange? Alors là, Fred, si tu veux avoir les faveurs du roi, sors le grand jeu. Louis XIV est en effet passionné par le billard qui vient tout juste d'apparaître. Et il va même en lancer la mode. À quoi sert de t'en lire? Le billard est plus attrayant, disait-il. Attention quand même, les règles ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Elles s'inspirent plutôt du jeu de croquet que les courtisans pratiquent dans les jardins de Versailles. Allez, Fred, à toi de jouer. Messieurs, de quelle aventure? Ouvrez le feu. Messieurs, si vous le permettez, je vous propose d'autres règles. Vous allez voir, c'est très simple. Je place les billes de cette façon. Monsieur Molière, prêtez-moi votre canne de marche, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et voulez-vous me passer ce portique, s'il vous plaît? Merci. Je vous demande le plus grand silence, s'il vous plaît. Monsieur de quelle aventure? Vous êtes le phénix de la précision, vos gestes ont la grâce du fan. Oh, je vous en prie, Jean, vous n'allez pas commencer à nous agacer avec toute votre ménagerie, là. Molière, soyez pas mauvais joueur, ce serait dommage pour un comédien. 500 livres, Fred, t'as gagné ta journée. 500, je sais même pas ce que ça représente. 500 livres, c'est pas mal. Ça permet de voir venir, comme on dit. C'est en gros 2 ans de salaire d'une cuisinière. Alors cette somme se présente sous la forme de pièces. Des louis d'or, d'abord, en or. Des écus, en argent ou en cuivre. Et enfin, des sols. À l'époque, on compte également en sous. Et un sou, ce n'est vraiment pas grand-chose. Un ouvrier agricole, par exemple, ne gagne que 12 sous par jour. Et avec, il ne peut acheter qu'une douzaine d'œufs. Ça en dit long sur les conditions de vie de ces pauvres gens. C'est pas drôle, hein. Et c'est d'autant plus révoltant qu'à la même époque, certains sujets disposaient, parce qu'ils étaient bien nés, de fortunes colossales, jusqu'à 1 million de livres par an pour certains. Il suffit de frapper la bille à sa base et vous obtenez ce que l'on appelle un effet rétro. Monsieur de quelle aventure? Puis-je vous entretenir? Messieurs, je vous l'emprunte un instant. Bien sûr. Que se passe-t-il, madame? Mais comment que se passe-t-il? C'est que Sa Majesté a entendu parler de vos exploits au billard. Je vois que les nouvelles vont vite à la cour. Le roi souhaite vous voir assister à sa chasse à cour demain. Une chasse à cour, ça, j'ai jamais participé, c'est sympa. Oh, vous sentez admirablement bon, une vraie friandise. Je laisserai ma porte ouverte ce soir. Fred, Fred, je te rappelle qu'on est là pour bosser. Monsieur de La Fontaine, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, mais c'est où pour faire pipi? Oh ben, les pots des ans sont derrière les tentures. Mais je vais vous montrer. C'est là. Oh, pardon. Excusez-moi. Je vais regarder. Ça me gêne un peu. Ben oui, c'était comme ça à Versailles. Tenez, les commodités manquaient tellement que certaines courtisanes se promenaient toujours avec un pot qu'elles glissaient sous leur robe. Certaines l'emmenaient même jusqu'à l'église, par précaution. On ne sait jamais, des fois que le sermon serait trop long. Ah! Tiens donc, monsieur de quelle aventure, mais on ne se quitte plus. Mais dites-moi, il y a du beau monde ici. Ah, vous savez que c'est la grande occupation de Sa Majesté. Ici, bon nombre de courtisans cherchent ses faveurs. Mais au fait, où est le roi? Il est... devant. Vous me suivez? Je vous suis. C'est vrai que Louis XIV et sa cour consacrent beaucoup de temps à la chasse. Ils la pratiquent environ 1 jour sur 3 et à chaque partie, des centaines de bêtes sont tuées. Cerfs, chevreuils, sangliers, à tel point qu'il faut en permanence en élever pour reconstituer le gibier du parc de Versailles. Mais c'est comme cela, un bon roi se doit aussi d'être un bon chasseur. Contrairement aux apparences, la vie de roi n'est pas de tout repos.
L'emploi du temps est extrêmement chargé et réglé comme du papier à musique. Écoutez. À 8h30, le roi se lève devant une poignée de courtisans. La toilette et les premiers gestes du matin, même les plus intimes, si vous voyez ce que je veux dire, se font également en public. À 9h, le roi déjeune et passe dans son cabinet, son bureau si vous préférez. 10h, c'est la messe, tous les jours, et pas question d'en manquer une, sinon ça ferait mauvais genre. 11h, le roi tient conseil, une sorte de conseil des ministres. À 13h, il dîne, et à 15, il part pour la chasse ou la promenade. Mais attention, la détente n'est que d'apparence. Le roi, pendant tout ce temps-là, demeure la proie des courtisans. À 18h, il fait le point sur les affaires secrètes du royaume. Et à 22h, il passe de nouveau à table. Ensuite, il tient salon avec les dames et en compagnie de ses enfants, qu'ils soient légitimes ou non. Enfin, aux alentours de minuit, il retourne se coucher, après bien sûr s'être déshabillé, encore une fois, devant une poignée de courtisans. Et c'est comme ça, tous les jours, même le dimanche. Attendez-moi ! Ouh, ma tête ! Ouh, là, je crois que c'est pas fait pour moi, la chasse à cour, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, on dirait des loups ? Il y a des loups à Versailles ! Bah, évidemment, à l'époque, il y a des loups à Versailles. Excuse-moi, Fred, mais j'avais oublié de te dire que le roi chasse aussi le loup. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous avez été pris la main au collet ? Enfin, le pied ? De grâce, monseigneur, laissez-moi partir. Non, non, mais calmez-vous, je vous veux pas de mal, je vais essayer de vous libérer. Si on avait de quoi se nourrir, on serait pas obligé de braconner. Mais pourquoi vous braconnez aussi ? Vous avez pas le droit de chasser ? La chasse, c'est un privilège pour la noblesse. On n'a aucun droit. C'est puni d'une amende de 100 livres. De quoi nourrir une famille entière, toute une année. Eh ben, ça rigole pas, hein ? Et encore, il y a quelques temps, le braconnage était puni de la peine de mort. Tout ça pour un lièvre ? Pourquoi vous avez pas le droit de chasser ? Et tout ça, c'est pour désarmer les campagnes. Des fois qu'on retournerait nos arquebuses et nos fusils contre eux. Ah, je comprends. C'est bon. Je vous remercie, monseigneur. Je peux partir. Évidemment. Merci, monseigneur. Faites attention, ils sont pas loin, hein. D'ailleurs, faut que je les retrouve. D'où sortez-vous dans un état sacome, sacoume ? Oh, dites donc, quelle belle prise ! Je suppose que c'est pour le grand couvert de ce soir. Mmh. À propos, est-ce que vous pourriez m'obtenir une place pour assister au souper du roi ? Mais tout à fait. Seulement vous êtes très sale, allez vite mettre un vêtement propre. Bah, je veux pas changer de vêtements, moi. Je veux prendre un bain. Mais mon ami, le roi lui-même n'a pas encore ses appartements de bain. Ils sont en chantier. Alors, si vous y tenez tellement, faites comme tout le monde. Allez en ville chez un baigneur. Et faites vite. D'accord. C'est drôle parce qu'à l'époque, ils se baignaient en chemise. Oula, c'est bon ça. Je peux avoir encore un peu d'eau, s'il vous plaît ? Voilà. Ah. Oh ah. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à vous retrouver ici. Alors comme ça, vous n'êtes pas seulement braconnier dans la vie. Et non, je suis baigneur aussi. Mais les clients se font rares. Ça, vite fait, vous faire une mauvaise réputation au commerce, toutes ces rumeurs. Que voulez-vous dire par là ? Que les gens ont peur de l'eau. Comment ça ? Et oui, quand on dit que l'eau serait nuisible, voire pire, qu'elle apporterait des maladies ou qu'elle ferait perdre la vigueur sexuelle. Quoi donc, l'eau ? Et oui, l'eau, alors les gens ne se lavent plus. Enfin, ils ont inventé la toilette sèche. C'est quoi ça, la toilette sèche ? Oh, ça consiste à changer de vêtements plusieurs fois par jour et à se parfumer, comme si ça vous lavait, la toilette sèche. C'est comme se frotter le bout du nez avec de l'alcool. Faites-moi rire. Rien ne remplacera jamais l'eau mouillée et le savon de Provence. Vous êtes en train de me dire que vous avez déjà inventé le savon de Marseille, peut-être ? Bon, je sais pas si ça s'appelle de Marseille, mais c'est le savon à l'huile d'olive, hein. Santé. Oh ben ça, c'est la meilleure. Ouais. Vous voulez bien me rajouter un petit peu d'eau chaude ? Oui, oui, monseigneur. Merci. Bon, Fred, t'as vu l'heure ? Faut te remettre dans le bain, hein. Tu vas finir par être en retard au grand couvert du roi.
Le grand couvert, c'est une véritable cérémonie qui commence chaque soir à 22 heures précises dans les appartements du roi ou de la reine. Là, Louis XIV, attablé en compagnie de son épouse et de ses enfants, se font servir les plats devant un public de courtisans triés sur le volet, car il faut être parrainé pour assister à ce royal repas. Et attention, on ne fait pas n'importe quoi. Les hommes doivent rester debout. Seules les grandes dames de la cour sont autorisées à s'asseoir sur un tabouret. L'ambiance est très protocolaire. C'est un ballet de serviteurs parfaitement réglé. Mais il arrive parfois qu'en fin de repas, le roi pousse la chansonnette, qu'il se mette au clavecin, ou même qu'il danse. Bah oui, il est comme ça, le roi Louis. Il a un petit côté fêtard. Et disons qu'il aime distraire sa cour. Chaque soir d'hiver, la Galerie des Glaces est le théâtre de grandes réceptions et de spectacles. Au beau jour, c'est dans le somptueux décor des jardins du château, agrémenté de ses extraordinaires jeux d'eau, que le roi Soleil offre ses fêtes les plus extravagantes, qui mettent parfois en scène des éléphants ou des dromadaires. Exotiques pour l'époque. Et oui, il faut bien que Louis XIV occupe ses courtisans et qu'il les éblouisse s'il veut les garder auprès de lui. Approche un peu, Jamy, pour voir. Ou alors, comment tu me trouves? Ouais, mais enfin, un petit peu de tenue, je t'emmène à la cour du roi. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Pas mal. Et qui y aura-t-il ce soir à la cour? Eh bien, il y aura le roi, bien entendu, et puis mes amis Lully, Molière, La Fontaine, le médecin, enfin, tout le monde. Fais-moi une petite révérence. Allez. Ouais, bon, on fera avec. Tu resteras derrière moi. Allez, on se zappe.